Adorare Dio e servire il prossimo, ecco cosa conta. Non la rilevanza sociale o la consistenza numerica, ma la fedeltà al Signore e all'uomo. Questa è la testimonianza cristiana e tante volte è pure eroica. Penso ad esempio a Charles de Foucault, fratello universale, ai martiri d'Algeria, ma anche a tanti operatori di carità di oggi. In questo stile di vita scandalosamente evangelico, la Chiesa ritrova il porto sicuro a cui attraccare e da cui ripartire per intessere legami con la gente di ogni popolo, ricercando ovunque le tracce dello Spirito e offrendo quanto per grazia ha ricevuto. Sans cette perspective de foi, impossible de comprendre la radicalité des propos du pape ce matin au palais du Pharo à Marseille sans le réduire à une série de petites phrases. Mais le pape n'est pas un politicien, il s'adresse aux consciences et il le fait sans concession. Il supplie d'entendre le cri de douleur des migrants qui transforment la Mare Nostrum en Mare Mortuum. Il martèle le devoir d'accueillir et il proteste contre la brutalité des politiques d'assimilation. Mais il dénonce aussi pêle-mêle tous les maux de nos sociétés. Les jeunes livrés à eux-mêmes, les travailleurs asservis, les personnes âgées isolées, parquées dans la perspective faussement digne d'une mort douce. Les enfants à naître, rejetés au nom d'un faux droit au progrès. Et puis tous ceux qui souffrent de situations d'injustice ou de persécution, notamment tant de chrétiens condamnés à quitter leur pays ou à y vivre sans que leurs droits soient reconnus. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, dit le pape, qui confie réfléchir à la création d'une conférence épiscopale de la Méditerranée et même à une théologie de la Méditerranée pour donner corps au témoignage des croyants face à tous ces défis. Mais puisque ce qui devait n'être qu'un aller-retour au palais du Pharo s'est transformé en une véritable visite, si brève soit-elle, il y a eu d'autres rendez-vous et c'est par un incontournable de ces voyages que François a voulu commencer sa journée en se rendant à la maison des sœurs de Mère Teresa auprès des plus démunis. Il y a eu aussi, bien sûr, la rencontre avec le président de la République française, Emmanuel Macron, et puis, en point d'orgue, la messe célébrée au stade Vélodrome, avec près de 50 000 fidèles et des dizaines de milliers massés sur le Prado devant des écrans géants. Dans son homélie, le pape François a commenté l'évangile de la visitation et le tressaillement de l'enfant dans le ventre d'Élisabeth. Fratelli, sorelle, penso ai tanti sussulti della Francia, a una storia ricca di santità, di cultura, di artisti e di pensatori che hanno appassionato tante generazioni. Anche oggi la nostra vita, la vita della Chiesa, la Francia, l'Europa, hanno bisogno di questo, della grazia di un sussulto, di un nuovo sussulto di fede, di carità e di speranza. Un tressaillement de foi, de charité et d'espérance, c'est l'appel du pape à la France, à l'Europe et à la Méditerranée. Le pape qui a regagné Rome ce samedi soir au terme de son bref 44e voyage apostolique.